on est ensemble, jusqu'au bout. C'est une combinaison que je faisais il y a 20 ans, donc je suis content de vous le dire. Ouais, franchement, c'est incroyable. Dans le bus pour venir au stade, je me suis dit, les matchs comme ça, ça se joue toujours à un pénalty à la dernière minute. Ça c'est beau. On l'a fait. C'était dur, mais on l'a fait. C'était dur, mais on l'a fait. Un but à la 90e, on obtient un penalty, je sais même pas à combien, à la 92e peut-être. C'est incroyable. Parce que hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a regardé un reportage et monsieur Capeton il a dit
ça peut arriver même dans les dernières minutes. Vous nous racontez une histoire où il y a eu deux buts à la fin du match. Contre Clermont. Et quand on a pris le but, on a dit aux gars, hey, les gars, c'est pas fini, regardez, pensez à hier. Et effectivement, on l'a fait. Je vois ce club aller très haut, très fort. Il fallait passer par ces moments-là. Et franchement, c'est top. On est ensemble. J'ai dit, on écrira une histoire exceptionnelle avec ce club. Prince, félicitations pour ce but. C'est énorme que tu puisses être l'enfant du club qui donne cet élan, comme tu l'as dit, à toute cette jeunesse montante du Stade Malherbe. Je ne sais pas ce qui va vous arriver à tous, à chacun d'entre vous, mais ce qu'on est en train de vivre là, vous allez recevoir ça au centuple. Merci Binge pour ce but magnifique. Il ne fallait pas avoir le pied qui tremble. Tu as été un grand champion. Et même moi, franchement, quand tu rentres, tu fais une passe décisive, un but. Et le club reste en Ligue 2 comme ça, c'est une joie indescriptible. C'est le but le plus important de ma carrière. Sauver un club comme ça, c'est juste magique. Le football, c'est toute ma vie. Quand je vois ce soir, j'ai une seule phrase en tête. Le football, c'est le plus beau métier, le plus beau sport du monde. Rien n'est égal quand on voit des émotions comme celle-ci. C'est incroyable, franchement, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Quand on voit comment ça se termine, c'est magnifique. Et franchement, je suis le plus heureux du monde aujourd'hui. Il ne saute pas les Bacanais.